Good afternoon. I'll be moderating in English. I think it will make the session more interesting. Very good. Well, we have had a very long day and a very day full of content. So we have 30 minutes and three honorable ministers. We would like them to give us and guide us through the plan in respective areas to the point. So we have maybe 5 to 6 minutes for each honorable minister, and then we will have some time for questions and answers. So if I may ask first His Excellency Minister Janssen to sort of describe to us and to the audience in terms of the content, but also the implementation, what is being done in this regard. Of course, the topic is inclusive inclusivity in this National Development Plan, and we had a question at the end of the last session, which brings us quite smoothly here. Thank you. Oui, merci bien, Monsieur le Modérateur. Je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir invités à ce panel sur un sujet que moi je ne maîtrise pas très bien, mais comme le ministre Damantin est à côté, donc je pense que on va l'accompagner. Bon, les anciens avaient l'habitude de dire qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Il voulait dire par là qu'il faut qu'on soit en bonne santé, mais également qu'on soit bien éduqué. Et cela montre qu'il y a un lien entre la formation et la santé. Et je pense que le sujet qui nous préoccupe montre bien que ces deux thèmes sont d'une grande importance pour la vie en général et pour le PNDS en particulier. Et je crois que ce n'est pas pour rien que le PNDS en a fait vraiment un des piliers de son axe de développement. Et je pense que les questions de santé sont extrêmement importantes à tout point de vue, non seulement humain, social, mais également économique. Nous avons vu à l'occasion de la crise de l'Ebola les effets que cette crise avait causés à notre économie, sans compter le coût humain. La croissance économique était devenue presque négative et les investissements s'étaient raréfiés, sinon avaient abandonné le pays. Donc tout cela montre que la santé est également un élément important, non seulement du point de vue social, mais également du point de vue économique. Et lorsque l'Ebola est passé, on a vu qu'il a fallu des efforts surhumains pour relancer la machine économique. Et je profite de l'occasion pour quand même en appeler à nos partenaires techniques et financiers pour dire qu'il faut aller au-delà des journaux à sensation et que, passé la crise, il faut continuer à appuyer le pays, à assister le pays. Le constat qu'on a fait, c'est qu'après la crise de l'Ebola, il y a une sorte de retombée de l'élan et je pense que cela n'est pas normal. J'ose espérer qu'à l'occasion de cette conférence sur le PNDS, que les partenaires vont se reprendre. En ce qui concerne l'éducation, je vais juste introduire quelques éléments. Je pense que le capital humain est malheureusement une des faiblesses du développement en Afrique. Lorsqu'on parle de miracle en Asie, il ne s'agit pas seulement du miracle économique, il s'agit de miracle de la formation, de l'éducation. C'est les hommes qui ont permis au Japon, en Corée du Sud, et en Malaisie et à Singapour, de faire en sorte que les pays se développent extrêmement rapidement. Et donc je pense qu'il faut qu'on médite ces leçons-là, parce qu'en Afrique, on a eu de grands programmes de développement. On a eu des plans de toutes sortes. Malheureusement, ces plans n'ont pas bien abouti parce qu'il nous manquait la capacité de conduire le développement. Et même lorsque les partenaires nous aidaient, on n'avait pas la capacité d'absorption parce qu'on n'avait pas la capacité
de gérer les projets qui nous étaient proposés. Donc je pense que cet élément-là est extrêmement important. La Guinée a fait beaucoup d'efforts. On a eu des programmes avec la Banque mondiale, programme qu'on appelle les PAGEN. On a eu des formations avec les compagnies minières. On a eu des formations avec les impôts, le trésor. Nous-mêmes, on a fait des réformes au niveau de la Banque centrale. Malgré cela, on a encore des problèmes au niveau de la formation, au niveau de l'éducation. Pourquoi ? Parce qu'on a un système d'éducation désarticulé. On a plusieurs ministères qui s'occupent de formation et on a comme l'impression que ces ministères ne travaillent pas ensemble. Le ministère de l'enseignement primaire travaille de son côté, le ministère de l'enseignement secondaire de son côté et le ministère de l'enseignement supérieur de son côté. Donc ce manque d'articulation est un problème. L'autre aspect, bien sûr, c'est le gap entre les filles et les garçons. Mais le gros problème, à mon avis, c'est la gestion des ressources humaines. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de former, encore faut-il bien gérer les hommes. Et lorsque les hommes ne sont pas bien gérés, je pense que cela pose des problèmes. On n'a pas de planification en ce qui concerne la formation. Je constate qu'au niveau de beaucoup de départements, au niveau des finances, au niveau de la Banque centrale, au niveau des mines, beaucoup de gens ont été bien formés dans le temps, mais ils arrivent en fin de cycle et rien n'a été prévu pour pouvoir les remplacer. Donc ce manque de planification est un problème extrêmement préoccupant et nous risquons d'avoir un creux entre les anciennes générations et les générations futures. Donc je pense que la planification est un élément important. Donc il ne s'agit pas seulement de former, mais il faut également savoir retenir. Beaucoup de gens ont été formés, ils sont partis dans le privé, dans les compagnies minières ou même au niveau international. Et l'administration, donc, n'arrive pas à retenir. Je me souviens que l'ambassade de France avait formé des statisticiens. Quand ils revenaient de formation, ils n'avaient pas leur place. Donc, ça veut dire que dans l'administration guinéenne, c'est une sorte de crime que d'aller se former. Lorsque vous quittez, votre place est prise. Et donc, quand vous revenez, vous n'avez plus la place pour pouvoir travailler. Et c'est pour cela que certains partenaires obligent l'administration à garantir que le stagiaire qui s'en va, à son retour, il va pouvoir être repris. Donc, je pense, pour ne pas prendre trop de temps par rapport aux autres collègues, nous avons des problèmes donc, de planification, des problèmes d'instabilité au niveau des postes. Quand quelqu'un va en formation normalement, il devrait pouvoir revenir. One minute, ok. Donc je pense que si on avait une meilleure articulation au niveau des formations, que les filles soient peut-être déchargées des tâches ménagères pour pouvoir aller à l'école, qu'on puisse organiser des cantines scolaires pour pouvoir aider les familles pauvres à faire manger leurs enfants et aller à l'école, je pense que cela serait extrêmement important. Mais il faudrait également que l'on sache gérer les personnes que nous avons. Pour que nous puissions attirer la diaspora, il faut qu'on crée les conditions. Ce matin, le président en parlait. Je pense que ce n'est pas seulement question d'argent. Je pense que c'est tout l'environnement du travail qui fait que très souvent, la diaspora ne revient pas. Certainement, ces questions, on peut y revenir. Merci. Thank you, Excellency, and thank you for making the points within the time. You pointed out that most of the development plans and programs have failed because we have not had adequate human resources. And also there is not a sort of organized planning for educating people for the needs of the development of the country. So we have His Excellency the Minister of Employment, Labor and Training, vocational training, Minister Damanatang. What is, in your opinion, being done and what needs to be done to address those points in order to make this plan more successful? Merci. Alors, il est évident qu'une bonne partie du diagnostic qui vient d'être dressé par mon homologue est vrai et reste vrai dans certains domaines, mais que beaucoup d'efforts aussi ont été accomplis pour justement faire de telle sorte que notre système éducatif dans son ensemble adresse les défis auxquels sont confrontés ceux qui investissent en Guinée et ceux donc qui sont chargés de créer la richesse. C'est pour ça qu'une des premières tâches, une des premières directives du président de la République
ça a été de demander d'améliorer la gouvernance du système éducatif et faire de telle sorte qu'on soit sur une phase de formation qui corresponde aux besoins du marché, sachant par exemple que rien que dans le domaine minier, en plus des 6 ou 7 qui sont en cours, si on en ajoute plusieurs autres, on sera sur une demande de compétences de plus de 52 000 ouvriers, chose que nous n'avons pas. Et ce que nous avons fait pour améliorer le système éducatif, c'est d'abord, au primaire, multiplier le nombre de salles de classe, au niveau de l'enseignement supérieur, assainir la question des bourses en éliminant plus de 30 000 boursiers fictifs, en mettant en place une agence nationale de qualité qui va permettre de clarifier la nomenclature des diplômes. Au niveau de l'enseignement technique, lancer pour la première fois depuis 30 ans la construction de nouvelles écoles professionnelles. Il y en aura 12 à fin de 2019. Et mettre en place une adéquation entre le secteur professionnel et la formation pour que les gens qui sortent de nos écoles correspondent à ce dont a besoin le marché de l'emploi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Guinée s'inscrit dans une logique régionale. On a des statistiques qui démontrent qu'à l'échelle de l'Afrique, d'ici 2020, il y aura 122 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi pour simplement 54 millions de postes disponibles. Comment on fait pour adresser le gap? Ça passe donc par l'amélioration des systèmes de formation. Et en Guinée, c'est chaque année 200 000 à 300 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification. Notre mission, c'est de leur donner cette qualification en s'appuyant sur des programmes comme par exemple celui de la francophonie, qui devrait nous permettre, si on obtient ce financement de 35 millions de dollars, c'est le coût de ce projet, de former de manière moderne 30 000 jeunes qui vont sortir de l'apprentissage traditionnel pour être un peu plus formalisés. Donc c'est également un appel pour nos partenaires qui sont ici présents. C'est un programme qui est prêt et qui ne demande qu'à être financé et accompagné. À côté de ça, justement, il y a l'appui qu'on doit apporter au secteur de l'emploi. Pour ça, vous avez des interfaces avec l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont, on va dire, des pôles emploi à l'échelle africaine, à l'échelle guinéenne. Ce sont des maisons de l'emploi et des compétences dans lesquelles le président a fait mettre des conseillers qui accompagnent les jeunes vers la formation, l'orientation vers l'entrepreneuriat ou tout simplement le travail immédiat pour peu qu'ils soient prêts. Et en termes d'entrepreneuriat, il y a plusieurs initiatives. Vous avez un appui au PME qui est mené par le ministère de l'Industrie, vous avez le Fonds national d'insertion des jeunes et vous avez surtout une initiative personnelle du président qui a fait venir un de ses partenaires pour mettre en place une banque à Freeland qui aujourd'hui met en place des mutuelles financières pour les femmes et pour les jeunes. Il y a aujourd'hui environ 65 unités fonctionnelles. Ça touche des milliers de femmes et de jeunes pour une capitalisation d'environ 58 milliards de francs guinéens. Donc à l'échelle guinéenne, ça fait beaucoup, sachant le nombre de personnes qui sont touchées et c'est ce type d'initiative qui devrait être encouragée. Il y avait des statistiques qu'on a données tout à l'heure, j'aimerais les corriger. Le taux d'inactivité en Guinée est de 35%, ce n'est pas de 80%. C'est vrai que l'emploi précaire correspond à environ 45% de la population active, mais les vrais chiffres sont les suivants. Et toujours dans l'amélioration du capital humain, j'ai pris la peine de consulter mon homologue de la santé qui n'était pas là. Il faut noter tout ce qui a été fait pour faire de telle sorte que, étant en meilleure santé, les Guinéens soient capables d'être plus productifs au travail, indépendamment de la politique sur la césarienne et des kits pour le PALU et ainsi de suite. Il y a quand même 74 centres de santé qui ont été rénovés. On est en train de construire une dizaine de nouveaux hôpitaux et on a réussi à passer de 44% de taux de prévalence du paludisme en 2012 à moins de 15% en 2016. Ce sont tous ces efforts-là qui sont en train d'être menés par le gouvernement pour faire de telle sorte que le capital humain guinéen corresponde aux véritables défis qui se posent à nous dans les années qui sont en train de se présenter. Merci. You still have 1 minute. It's okay for me. Okay, great. Thank you. Great. Excellent. We are on a right path for efficiency, I think, time efficiency at least. Well, you mentioned that the government has taken certain initiatives. You listed them. I don't want to repeat them. What quite struck me is that you're thinking of matching jobs with the market, I think, which is quite central and critical. But the
training is in qualifying, skilling them is one area, but then keeping them relevant and also keeping them in their jobs, retaining, you know, retention is an issue. I would like to ask Mr. Paulo Gomes, the special advisor to the president, that what would you advise in terms of both retention incentives, but also inclusivity? You know, what is being done? Because normally in most developing countries, the job tends to sort of cater or serve mostly people around cities. What efforts are being done to bring people from remote areas for employment? Because 30% still is very high. Très bien, merci beaucoup. Bon, je suis un peu l'étranger du panel, donc je suis de Guinée-Bissau et je conseille le gouvernement et le président. Et j'aimerais remercier Madame la ministre du Plan pour l'opportunité de pouvoir être dans ce panel. Moi aussi, je ne suis pas un expert de la matière, je suis beaucoup plus un financier, mais l'investissement dans le développement humain est certainement le meilleur investissement. Pour ceux qui parfois disent que c'est cher, la réponse est essayer l'ignorance et vous verrez que c'est un bon investissement. Alors, pour cela, c'est certainement la plus grande richesse de la Guinée. Je soulignais tout à l'heure que je suis de Guinée-Bissau. Je crois qu'il y a une perspective historique ici qui est importante ici de souligner et que le président a souligné ce matin. C'est que la Guinée a non seulement pendant longtemps investi pour ses citoyens, mais aussi pour les autres. Moi-même, j'ai commencé mon école primaire maternelle en Guinée. La Guinée a formé beaucoup des cadres de mon propre pays, la Guinée-Bissau. Et à cause de nous, d'ailleurs aussi, la Guinée a énormément souffert pendant plusieurs années après son indépendance, puisque c'était la base militaire de notre indépendance. Et je crois que c'est important parce que ça fait partie, je dirais, de l'actif guinéen en ressources humaines pour le pays, mais aussi le goodwill que je peux dire que la Guinée a partout dans le monde. Et c'est un investissement qu'il faut essayer de brasser pour ce plan de développement. À quelques années des 60 ans, je crois, de l'indépendance de la Guinée, il est important de dire cela parce qu'il y a un réservoir non seulement, comme je disais, de ce goodwill, mais un réservoir de la diaspora guinéenne qui est extrêmement riche, compétente et prête à être un input important pour la croissance. Comme les deux ministres ont parlé un peu de l'enseignement supérieur et autres, peut-être que je vais mettre le doigt sur la question de la protection sociale dans le plan. Je crois que c'est bien souligné par l'équipe du plan. Il y a des réformes à faire, notamment celles qui sont liées au système de pension. Dans pas mal de pays, le système de pension a été utilisé comme un levier important pour la croissance économique. Dans le cas de la Guinée, il n'y a pas une réforme sérieuse sur ce point-là. Il faut voir comment le système de pension pourrait passer d'un système de pay as you go pour un système qui peut être une source importante d'épargne intérieure pour l'investissement. Et pour ça, c'est nécessaire une initiative de tabula rasa pour créer vraiment un système de pension solide. Il y a beaucoup de best practices qui peuvent être utilisées, notamment ce que Singapour a fait pendant longtemps par un espèce de système d'épargne forcée qui a pu servir pour financer aussi le social. Par exemple, avec le système de pension bien réformé, vous pouvez financer un pan énorme de l'habitat social qui est un des grands challenges dans le domaine en Guinée en ce moment. L'autre point qui est souligné aussi dans le plan de développement et que Madame la ministre, je crois, a souligné dans l'initiative, c'est comment faire pour protéger les populations les plus vulnérables. Et cela, les handicapés, bien sûr, les femmes et les enfants, et avec des systèmes beaucoup plus transparents et rapides d'allocation de ressources. Et il y a des best practices qui sont connues, comme le cas du Brésil, où il y avait le Bolsa Família, où l'argent a été mis directement dans les poches des femmes, en empêchant que le mari puisse prendre une commission au passage et l'utiliser malheureusement dans le sens contraire de son objectif. Donc ces moyens-là peuvent aider énormément pour pouvoir
permettre aux femmes de mettre les enfants à l'école, de s'occuper d'eux, de les protéger sur le point de vue du paludisme, de ces maladies les plus basiques et qui tuent énormément d'enfants dans les pays et notamment dans celui de la Guinée. Alors pour la rétention, comme vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est une opportunité aussi pour la Guinée, non pas seulement de penser out of the box, mais tout simplement de penser without the box. Et ça, c'est en utilisant la technologie. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour créer l'emploi, et ça passera par une digitalisation des opérations, des activités, le plus possible, parce que ça crée énormément d'emplois. Les jeunes peuvent participer d'une façon massive à la collecte des données. Toutes ces questions de big data, ça nous permet, nous, les Africains, et la Guinée en particulier, de pouvoir maîtriser la collecte des informations pour l'utiliser comme un élément de croissance. Donc je crois fortement que pour la création de l'emploi, et surtout dans les domaines les plus éloignés, la digitalisation mais totale de la Guinée, que ce soit dans les domaines comme de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, peut être une source énorme de création d'emplois. Et ça, je pense que ça pourrait aider énormément pour aussi retenir les gens dans une nouvelle façon de les utiliser dans les activités d'emploi. Thank you very much. We heard very rich interventions. Of course, since I'm here from the Islamic Development Bank, just to inform honorable ministers in the government that we also have a program in terms of transfer of expertise, know-how and knowledge in technologies between member countries. So if there are areas that you believe that you could benefit from experiences of other member countries, we could work in that area together, because that will help in terms of human development, what other member countries have gone through. I mean, there are different terminologies of South-South cooperation, South-South solutions, triangle. In our terminology, we call it reverse linkages. And this is a very comprehensive program that could help, and we have had some good experiences between some countries and new neighborhoods like Senegal and Malaysia and others. I think it's quite an attractive program in terms of human development. Merci beaucoup. Moi, je suis pas venue pour poser des questions. Je suis du secteur privé guinéen. Nous avons une petite délégation qui accompagne le gouvernement guinéen pour ce groupe consultatif sur la Guinée. Je pense que personne mieux que le secteur privé ne peut pousser et encourager les bailleurs de fonds à venir soutenir la Guinée. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure ce matin qu'il y a eu deux crises exogènes qui ont énormément impacté sur la Guinée, la crise d'Ebola et la baisse des coûts du secteur des mines. Nous avons énormément souffert, le secteur privé guinéen aussi, de Ebola. Et nous n'avons pas eu de soutien. Seulement, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'en Guinée, il y a énormément d'efforts actuellement qui sont faits pour le secteur privé. Il faut le reconnaître. Nous avons travaillé énormément sur le contenu local, qui est aujourd'hui publié, sur le dialogue privé-public, sur la plateforme de concertation du secteur privé qui a eu à participer à tout ce que le gouvernement est en train d'élaborer depuis 3 ans. Nous sommes partie prenante et nous pensons que si aujourd'hui nous arrivons à mobiliser de l'argent pour la Guinée, nous allons en profiter parce qu'il y aura des... Thank you. I think it's... Voilà. We know that the private sector is very important and crucial. And we all encourage to play important role in human development as well. And the woman. Nous demandons qu'il y ait une agence de promotion de l'entrepreneuriat féminin en Definitely. Guinée qui n'existe pas, s'il vous plaît, pour que les femmes puissent Definitely. Bénéficier des appuis solides, parce que le développement ne peut pas se passer sans nous. Et on ne l'a pas assez entendu ce matin. I agree. J'ai deux questions. La première est la suivante. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a un plan stratégique du gouvernement national pour contribuer au retour des diasporas qualifiées pour les ressources humaines dans notre pays? Ça, c'est la première question.
La deuxième question est la suivante. Aujourd'hui, beaucoup de pays se misent sur le développement de numérique et de l'Internet. Est-ce qu'on peut considérer demain l'inscription dans notre constitution de ressources naturelles, les plans stratégiques pour développer le numérique, c'est-à-dire inscrire dans notre constitution la numérisation et le digital comme ressources naturelles? Parce que nous avons des ressources naturelles, c'est la bauxite et autres, mais c'est aussi une ressource aujourd'hui, la possibilité d'implémenter sur le numérique. Je suis Félix Comlin-Ebo, je viens du Canada, je suis le président donc de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables au Bénin. Et ma question s'adresse surtout au ministre de l'Enseignement technique. Je voudrais savoir quelles sont les garanties qui sont données aujourd'hui au secteur privé de venir investir donc dans l'éducation, hein, que ce soit l'éducation technique ou universitaire en Guinée. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. We had two questions for Honorable Minister of Vocational Training. Yes. Merci. S'agissant d'un appui au retour de la diaspora, je sais qu'il y a des programmes spécifiques comme le programme TOCTEL ou autre, mais en tant que tel, il y a un programme spécifique d'encouragement aux investisseurs, et ça rejoint peut-être la dernière question, et qui fait que vous avez le code des investissements, des projets qui sont logés au sein de la PIP et des différents départements, qui encouragent l'installation dans certains secteurs, dans certaines zones, à certaines conditions, et qui donc peut profiter également à la diaspora guinéenne. Et je pense que ces mesures incitatives sont suffisamment importantes pour prendre en compte une statistique très simple. Vous savez que sous la Première République, le président le disait, il y avait environ 300 unités industrielles. Elles ont toutes disparu. Pendant la Deuxième République, il y en a eu 13. Et là, entre 2011 et 2017, il y a eu quand même 86 unités industrielles. Ça veut dire que quelque part, la politique incitative qui est mise en place marche et que ça génère des investissements directs. Et donc, nous pensons qu'ils sont également ouverts à nos compatriotes qui ont un avantage sur les autres, c'est de connaître leur pays et d'être chez eux quand ils viennent. Au-delà de ça, il y a certaines garanties dans certains secteurs. Ceux qui veulent investir, par exemple, dans la formation professionnelle, lorsqu'ils investissent dans le génie, le département que je dirige leur facilite la tâche et ils ont une priorité lorsqu'on oriente des bacheliers qui vont suivre des filières consacrées au génie. Si c'est pour faire du service de l'informatique, du transit, du secrétariat, on pense qu'ils ont suffisamment de moyens pour s'en sortir tout seuls. Pour le numérique dans la Constitution, je ne crois pas que ce soit au programme. Je ne suis pas en charge institutionnellement de ce type d'inscription et de programmation logistique, mais à ma connaissance, ce n'est pas encore prévu. Maintenant, le ministre des Nouvelles Technologies aurait été plus à même que moi de répondre à cette question. Je ne sais pas si le conseil du président est dans le secret des dieux, mais moi non. Thank you. Any other panelists? Our time is almost over. Any contributions from your side to these questions? 30 seconds. Oui, juste donner quelques chiffres. Comme vous savez, l'agenda 2063 prévoit que dans les 10 premières années, l'Afrique puisse arriver à se transformer. Et dans cette période, il est prévu que l'Afrique puisse produire 2 400 000 ingénieurs dans tous les secteurs. 2 400 000 ingénieurs dans tous les secteurs. Et en particulier pour l'agriculture, 1 600 000 ingénieurs dans l'agriculture. Alors ça vous montre les défis que nous avons à relever en matière de formation et de renforcement des capacités. Et malheureusement, les projections qui sont faites actuellement à l'échelle du continent montrent qu'on n'aura pas la possibilité de créer dans les 10 années qui viennent 2 500 000 ingénieurs et 1 600 000 agronomes. Voilà. Thank you, thank you. I mean, I know there is a lot of hands. Unfortunately, our time is over. I would like to thank honorable ministers for their contribution and for your answers and questions. And just in one line, I think investment in human capital and human resources, and also the importance of women and other
marginalized groups, including rural communities, young people, and disabled. I think this was key to the growth and to the success of this very important plan. Thank you all. Thank you. Thank you very much.